Petit Pollux. Comment était Fiona en partant du cabinet sur là? Normal. Peut-être rien trop calme. Pourquoi? Quand on l'a retrouvée après, elle était dans les vapes. Dans un cabinet dentaire. Vous devez avoir des anxiolytiques pour les patients. Oui, mais on garde tous les flacons enfermés. Les flacons, d'accord. Mais vous sortez bien les pilules en avance quand vous préparez un patient, par exemple. Ah, c'est pas vrai. Oui, c'est possible. Je connais Jenna depuis qu'elle est née, mais maintenant elle est ado. Les fous n'ont pas traîné à accuser Jenna et même à sous-entendre qu'elle avait volé les médocs. Pas surprenant qu'elle protège son mari. Je te doute de la suite. Alors il a violé sa nièce pendant que son assistante surveillait la porte. L'assistante est aussi là. Oui, c'est un petit peu. Il n'y a qu'une réceptionniste à l'entrée. Personne n'a accès aux salles à part le couple. D'accord. Alors la théorie, c'est que Jaya donne à Jenna un chef de clonazépam, puis lui fait respirer du protoxyde d'azote. Jenna est tellement dans le coltard qu'elle ne peut même pas percuter qu'elle se fait violer. Mais après, comme elle ressent un certain malaise et de la douleur, elle décide de boire de la vodka chez sa copine Cara. Du coup, l'interaction avec les médocs explique son état de conscience. Ensuite, elle titube jusqu'aux toilettes de la pizzeria, Jérôme entre et là, elle panique. Il ne peut pas accepter qu'elle se fait violer par son oncle, alors elle se met à accuser Jérôme. La théorie a été scientifiquement démontrée. L'ADN du dentiste correspond à celui du sperme trouvé sur le pull de la victime. Terminé de l'hostilité. Je vais prendre avec vous. Vous êtes là parce que l'ADN trouvé sur le pull de Jenna correspond au vôtre. C'était à mon cabinet et je lui souhaite une heure alors. Non, j'y ai mon ADN sur elle, mais l'ADN qu'on a trouvé était du sperme. Je peux pas comprendre ça. Je peux tout expliquer, mais c'est assez gênant. Il y a une explication très simple à tout ça. Oui, ça, on s'en doute bien. Il faut que ça reste entre nous. Ma femme et moi avons eu quelques minutes à nous avant l'arrivée de Jenna au cabinet. Alors on a envoyé la réceptionniste nous chercher du café. Et on a fait des cabrioles sur ma chaise. Mais gardez ça pour vous, hein. Je veux pas que mes patients l'apprennent. Non, bien sûr. Si, écoutez, le problème, c'est que votre nièce vient d'insinuer que vous l'avez violée. Ah, mais... C'est impossible, cette idée me rend malade. Vous ne le savez pas. Votre sœur ne fait rien. Je ne ferai jamais de mal, ni à ma nièce, ni à n'importe quel autre de mes patients. Elle est anesthésiée, mais elle n'avait pas perdu connaissance. Donc, selon vous, elle a menti. Elle vient de causer des hallucinations. Jaya a dit qu'elle avait pu piquer un clonazépam. Elle avait de l'alcool dans le sang. Et là, on entre en confusion. Oui. De quoi? Mais je me demande s'il n'y a pas eu un point de départ à tout ça. Vous auriez pu avoir un geste malencontreux et involontaire en la soignant, et qu'elle aurait mal interprété. Non. Tout ce que vous a dit Jenna est une mention. Et si vous croyez que le procès de Jérôme vous a causé des ennuis, ce sera bien pire avec moi. Je vous enverrai tous. Ce sera tout. J'ai des patients qui m'attendent, moi. Et il n'a pas tort. Entre l'alcool et les médocs, ma grand-mère a fait un cœur chaud. Mais si ce type a effectivement violé sa nièce pendant que certains mettent à côté. Ça ne devait pas être sa première victime. Il faut qu'on bouge. Je veux que la prochaine fois qu'il entre dans ce bureau, le dentiste ait des menottes au poignet. Je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Il a eu des récompenses, des tonnes d'éloges, une ou deux mauvaises critiques sur le web. C'est tout? J'ai découvert qu'un procès avait été intenté contre lui il y a 5 ans. Les archives confidentielles et bien sûr, l'avocat n'a rien pu dire. Mais je ne crois pas que ce soit une histoire de plombage raté qui se cacherait. On peut interroger la patiente? Non, elle est tenue au silence par la cour, mais... J'en sais rien, je peux toujours demander à Barbaz s'il peut faire sauter la clause de confidentialité. Je vais l'appeler pour voir. Reprenez les recherches et sûrement d'autres victimes. Sergent Benson. Madame Davis, Jenna. Est-ce que tout va bien? Jenna a quelque chose à vous dire. Ah, j'ai eu beaucoup de temps. Je regrette d'avoir dit que c'était mon intimiste qui avait fait ça. Attends, tu dis que tu regrettes, mais c'est lui qui t'a agressé. Mon frère n'aura jamais fait ça. Tu leur répètes que la petite a dit. La petite a dit que je souffre d'un conflit mental et qu'un traumatisme associé à l'alcool et la drogue pouvait perturber la mémoire. Vous êtes allée voir un psy? Oui, elle a dit que ce que Jenna a suivi la rendait vulnérable à la suggestion et lorsque Jenna était seule, vous lui avez mis une idée dans la tête. Non, ça s'est pas passé comme ça, madame. Vous connaissez le syndrome des faux souvenirs? Bien sûr que oui. Mais les souvenirs de traumatisme sont souvent refoulés. Ils refont surface petit à petit. C'est un processus qui est quelquefois là en été. Il est fortement. C'est lui qui vous a dit ça? Et c'est sûrement votre frère qui vous a recommandé cette psychologue. Vous commencez. Madame Davis, je sais que c'est difficile. Mais nous avons des preuves. Allez, votre frère, les filles du sperme sur Jenna. Il m'a expliqué comment ça s'est passé. Mais il vous a pas dit que c'était...
sur l'envers de son pull. Ça suffit, je vous écoute plus. Allez, Dieu, inspecteur, que t'as menti. Oui, je veux pas que je ne ferai jamais une chose pareille. Notre dossier s'écroule. Vas-y, vite, on sait ce qui s'est passé. C'est la mère de Jenna qui l'oblige à se rétracter. On a trouvé d'autres victimes. Non, pour l'instant, il n'y a que le procès d'archives confidentielles. Il n'y a qu'à saisir les dossiers. Patient, s'il le faut, on interrompra toutes les femmes de la liste. Si on fait ça, il va pouvoir continuer à se plaindre que la police. Il faudrait que ce soit les victimes qui prennent contact avec nous. Olivia, t'es toujours avec le journaliste, là, Ginny Mac? Je pense que oui. Et je dois faire, d'ailleurs. Je vous interdis de raconter ça à la presse. On sait qu'il y a de nombreuses victimes, mais chacune d'elles doit être persuadée qu'elle est la seule, que personne ne la croira jamais. Et qu'elle compte d'arriver à d'autres personnes, alors là, elle nous a... Parfois, il faut qu'il y ait un pas dans la barre. Je n'ai pas entendu cette discussion. Il y a 20 ans que je suis dentiste et jamais n'ai entendu la moindre plainte d'une patiente. Évidemment, il sait qui se plaigne. Je suis président d'un comité d'écriture scientifique, consultant près de la police. J'ai mis en place des centres de soins gratuits pour les pauvres, ici et entièrement. Je ne ferai jamais quoi que ce soit de mal à une patiente. La femme se tient gentiment à ses côtés. Elle a pas le choix, elle a l'air arrêtée. Je parie que la drogue aussi s'appelle la somnophilie. C'est un monde de la belle au bois dormant qui s'effrite sur des femmes qui ont perdu connaissance. Pas quel plaisir il y a là-dedans. Elle te répond pas. Pour leur soutien dans cette terrible. Si la manifestation est une manœuvre grossière des policiers qui veulent nous faire oublier le fait que vous avez arrêté le vrai coupable, mais pour relâcher, nous respectons les normes politiques. Faites faire l'avocat, le côté dont il a détraqué de sa nièce. J'ai pourtant promis de ne pas la mentir. Tu l'as cru? Bien sûr. Quoi? Il n'y a pas de problème. Il y a eu 5 appels ce matin. Femme dit qu'Alexander l'a drogué et violé quand ils étaient à la fac. Alors demandez à ces femmes de venir dès aujourd'hui. Mais alors écoutez, s'il ne va pas faire le mal à longtemps, je l'appelle pas enfoiré. Oui, quand vous venez là. Quand je me suis réveillée, ma jupe était très bien. Ah, des boutons étaient. Vous vous rappelez de certains détails? Peut-être un bruit? Et je me rappelle avoir senti le métal de sa croûte quand il a glissé en toute la gorge. Quel âge aviez-vous quand c'est tombé? À l'époque, j'étais en première année de fac. C'est la mère de ma colocataire qui m'avait recommandé. Vous avez donné un médicament contre l'anxiété? Je sais que qui m'a drogué. J'arrivais pas à oublier. Je vois. Et donc, c'était de l'ami de votre père, c'est ça? Vous voyez aussi ma mère. Je le vois régulièrement. Sous anesthésie par le docteur Alexander au cours des 20 dernières années. Et plusieurs d'entre elles ont continué à le voir.